C'est une annonce tant attendue qui est tombée en début d'après-midi de ce jeudi 3 novembre 2022 à Conakry. Le quatuor qui réunit en son sein les quatre grandes coalitions politiques guinéennes, à savoir l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance démocratique, la CORED, Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, le FNDC politique et le RPG arc-en-ciel, ont décidé finalement de rencontrer le Premier ministre de transition. C'est dans le cadre de la facilitation pour un dialogue interguinéen enclenché dans ce sens par le locataire du Palais de la Colombe, Bernard Gomou. C'est après 1h30 minutes de réunion que cette décision est rendue publique. Si jusque-là, le quatuor était dur pour rencontrer le Premier ministre ou les facilitatrices du dialogue, celle-ci est écartée pour le moment en son sein. C'est en tout cas ce qui ressort à la sortie de cette rencontre. Depuis un certain temps, vous savez qu'il y a des tractations par rapport aux visites annoncées du Premier ministre au niveau des QG des coalitions. Donc, comme nous l'annoncions il y a quelques jours, les coalitions, à leur sein, se sont retrouvées, ont discuté, ont pris des décisions. Et aujourd'hui, c'était la plénière dans le cadre de l'intercoalition au niveau du Quatuor. Et donc, ici, à l'issue de la plénière, il a été décidé de recevoir le Premier ministre à une heure et à un jour de sa convenance, à sa discrétion, mais en début de semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous sommes d'accord de recevoir le Premier ministre. C'est ce qui a été décidé à l'issue de cette plénière. À la question de savoir si les leaders du Quatuor ont échangé avec la primature pour cette décision, voici la réponse de Selou Baldé, porte-parole du jour. Vous savez que c'est lui qui est demandeur à rencontrer les coalitions. Donc nous allons l'écouter et à retour également parce que nous estimons que c'est dans le cadre du processus du dialogue qui va être en tout cas enclenché sous l'égide de la CEDEAO. Et nous aussi, nous avons des mémorandums que nous avons produits que nous allons lui soumettre. Très tôt ce jeudi, une information selon laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, va rencontrer les leaders du Quatuor s'est répandue dans la presse. Pour savoir si le Quatuor a été associé à l'annonce d'une telle information, le porte-parole du jour répond en ces termes. Nous ne commentons pas les actes de la primature. Nous venons de vous livrer ce que nous avons décidé et arrêté ici. Vous savez que quand il faut rencontrer le Premier ministre dans le cadre du lancement du processus de dialogue sous l'égide de la CEDEAO, il va falloir qu'à notre niveau qu'on se prépare, parce que nous ne venons pas justement pour une rencontre de courtoisie, mais nous venons, comme il a souvent l'habitude de le dire, pour parler de la Guinée, des problèmes de la Guinée. Et donc, pour nous permettre de nous préparer, nous nous sommes donné jusqu'à la semaine prochaine pour qu'à sa discrétion, il puisse nous indiquer une date et une heure à sa convenance pour que nous puissions discuter sereinement. Rendez-vous est donné pour la semaine prochaine pour savoir si oui ou non il y aura rencontre entre le Premier ministre de transition et les leaders du Quatuor.